SIAV, éradiquant les violences. La majorité des femmes malgaches sont encore victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, que ce soit dans le cadre conjugal, dans la communauté ou dans le milieu professionnel. Les violences conjugales sont les plus fréquentes, dénonce Albertine Ravossoul, présidente de l'association Fanavout, éradiquant les violences pour un meilleur avenir des générations. Tel est le thème de la porte ouverte organisée par le réseau TIAV, ou réseau pour la lutte contre les violences conjugales exercées sur les femmes au foyer. Elle a débuté aujourd'hui et se tiendra pendant 2 jours au Talara Riasna Analekil. L'objectif est d'éradiquer toutes les formes de violence et de faire connaître aux gens qu'il existe des associations qui prennent en charge les femmes dans ces situations. Ce réseau regroupe 21 associations. Malgré la culture malayasse qui dit « Tukajansia Ag » où il ne faut jamais parler des problèmes conjugaux à autrui, l'objectif du réseau TIAV est d'inciter les femmes à briser le silence. Le message est clair, venez vers les associations appropriées et dénoncez les abus. Il faut déposer plainte auprès des polices judiciaires, a poursuivi Albertine Ravossoul. Selon cette responsable, plus de 250 femmes ont déjà demandé de l'aide à son association, dont la plupart sont victimes d'une violence physique ainsi qu'économique. Le réseau TIAV travaille en collaboration avec les médecins, les forces de l'ordre et le tribunal, a rappelé Siajou Arafara Mahaleo, présidente de l'ONG Manassou.